Voilà, pour l'instant en coupe ça a très bien fonctionné et Thierry Loré a décidé de reconduire ces mêmes joueurs. Et il a laissé quand même pas mal de joueurs au repos, hein, à genre que le buteur est resté. But inscrit par le latéral droit Lala à la 98e minute. La voilà, cette équipe du PSG. Oui. PSG un petit peu original. Oui, un petit peu original avec la présence de Daniel Vess au milieu de terrain qui commence à s'installer à ce poste, qui commence à s'épanouir. La présence également de Choupo-Moting en attaque qui va aider Cavani. C'est une équipe assez équilibrée. Et l'absence, il n'est pas sur le banc de Kylian Mbappé. Je sais que vous l'attendez tous, évidemment, le phénomène français. Et on l'a laissé au repos, il n'est pas sur le banc des remplaçants. Il y a Ressé, l'Espagnol, qui fait son retour. Ouais. Première fois dans le groupe depuis plus de 2 ans. Et l'équipe du Racing Club de Strasbourg-Alsace. Qui opte pour un 4-3-3 habituel, hein, avec un mélange entre jeunes, très jeunes, Zemzemi. Il est arrivé dimanche, le joueur prêté par l'AS Monaco, sans option d'achat, prêté au Racing Club de Strasbourg. On est frappé par Dimitri Liénard. Renvoyé. Et le festival de Neymar. Attends, il y avait une possibilité. Pour Cavani, il a choisi Di Maria, mais le ballon n'est pas passé. Il y a 15 jours contre Guingamp. Ah, on le disait clair quelques secondes avant, l'entame. Ce sont des civitaines. Hein. Thiago Silva, l'appel de Choupo-Moting. Oh, il est bon ce ballon pour Cavani à l'entrée, l'ouverture du score. Oh, l'Uruguayen Edinson Cavani, superbement servi à loup par Choupo-Moting. Exactement. PSG qui ouvre le score d'une action en 3 passes. Un long ballon sur Choupo-Moting. Qui la remet à Cavani dans l'axe et qui finit de la meilleure des manières. Ah, il les rate pas souvent, quoi qu'on en dise. Exactement. Regardez bon, ce ballon, hein. Cet enchaînement, il est magnifique. Très bon ballon de Thiago Silva. Ça a bien joué cette passe aveugle pour Di Maria. Di Maria qui a centré fort devant le but, c'était ce qu'il y avait à faire. Oh, le bon ballon dans l'espace là pour Bernat. Le centre de Bernat et Cavani qui a jailli à quelques pointures de pousser ce ballon dans les fonds du filet. Fin décembre en Coupe de la Ligue contre Orléans. Il est rentré quelques minutes contre Amiens le 11 janvier dernier. Oui, Choupo-Moting qui a été recruté pour ça, pour faire souffler. Ça fait courir ça, Lou. Hein. Ça fait courir les Strasbourgeois. Attention, ça va rentrer. Maria. Pour Choupo-Moting. Et le contre favorable malgré Dundour, le centre de Dundour renvoyé par Thiago Silva. Ça va revenir à la frappe puissante. Ah, le Brésilien qui a joué vite. Ouh là là, là le gros contact là. Ah, il va y avoir carton. Carton, faute de Dimitri Liénard là, sur Neymar. Oui, le match s'emballe. Pas de la meilleure des manières. Ah, il s'est excusé, Dimitri Liénard. Même si le pied était un peu haut. Un petit peu trop d'engagement. On va revoir ça au ralenti. Les Strasbourgeois sont pris de vitesse par les Parisiens. Et commettent pas mal de fautes. Di Maria, l'appel de l'Allemand, il continue l'Argentin, Angel Di Maria, et il est passé. Et le non mais c'est vrai qu'ils sont chouchoutés, hein, les Parisiens, ils ont vraiment un équipement haut de gamme. Il y a Cavani, il y a Choupo-Moting, le ballon renvoyé par Lionel Carroll directement sur Kerrer. Je coupe de la Ligue, qu'on avait eu plaisir à vous commenter mi-décembre, où le bon ballon pour Choupo-Moting, le contrôle dans la surface. Et... Oh, c'est bien fait, ça va pouvoir enchaîner avec la frappe. Et à capter. De force pour l'instant, Bernat prend l'avantage. Attention, Angel Di Maria, la reprise au-dessus de la transversale de Mats Sels. Un centre en retrait et Di Maria, curieusement, seul dans la surface. Et curieusement, effectivement, un marquage assez lâche pour l'instant. Neymar qui a récupéré ce ballon. Draxler qui va armer et il hésite. L'âge de maillot était plus que flagrant, l'accélération de Neymar, et là il va l'obtenir. Et ça passe, oh, et quelle parade de Mats Sels, énorme parade du portier belge. Très bien tiré de la part de Neymar, une énorme parade de Sels. Il faut aller la chercher. Pas surpris, oui. Ah, c'est plutôt bien frappé, c'est renvoyé par la tête d'Edinson Cavani. Sur Alves avec Neymar, et encore une solution pour Bernat. Quel bon tacle, opération parisienne, celle de Dani Alves. Neymar, l'accélération devant Neymar. Il y a du monde, il y a Angel Di Maria. Le ballon est toujours parisien. Attention, la frappe enchaînée de Neymar, elle est au-dessus, pas cadrée. Et ça vient de grossir, la frappe enchaînée.
d'Anthony Gonçalves. On fait une relance loupée de Thiago Silva. Grand-Cyr, Gonçalves qui enchaîne. Il semblait battu Alphonse Arroyo. Ah, on a eu une ancienne. Gonçalves. Oh là, Angel Maria. Avec Neymar, la solution Neymar. Il sert Neymar et c'est juste à côté de la cage de Marcels. C'est l'enchaînement des Parisiens. Avec, il s'est blessé à Neymar. Une frôlée ou le garçon ou le poteau. Hein. Encore une récupération très haute. Le magnifique de Cavani sur Di Maria en profondeur. Et puis, oh là, faute, on a laissé Neymar pour le second coup franc. Encore frappé sur la lucarne droite de Marcels, pardon, légèrement au-dessus cette fois-ci. Coup franc tiré du même côté, qui n'a pas surpris le portier belge. Il essaie de vraiment viser la lucarne cette fois-ci. Exactement. Tout à l'heure, c'était un point de trop bas. La remise et la frappe. Attention à Di Maria, le poteau d'Angel Di Maria. Après ce numéro encore de Neymar. Et grosse occasion à moins d'une minute de la fin de cette première période encore pour le PSG. Marcels, cette fois-ci, sauvé par son poteau. Le PSG qui pique évidemment. Attention à Draxler. Pour Edinson Cavani, Angel Di Maria et le ballon contré. Alors là, il y a du monde, il y a Cavani du bout du pied. Il n'a pas réussi à contrôler ce ballon face à Dimitri Liénard. Le bon ballon là pour. Oula, pas signalé. Ah, il est frappé par Thiago Silva justement. Oh, Cavani, la parade de Marcels encore. Mais quel arrêt du Belge sur cette tête de l'Uruguayen. Quel arrêt réflexe de Marcels sur sa ligne. Et ça fait deuxième sauvetage hein, oui. De la part du portier belge qui maintient Strasbourg. Plus de ballons déjà et un petit peu plus haut. Il est passé le centre bien capté lui. Allez, Kenny Lala, frappe écrasée. Et l'appel de Di Maria, servi par Neymar. Le ballon est superbe. De Neymar. Et encore un ballon récupéré par les Parisiens. Position de hors-jeu, il n'a pas joué hein, ce ballon Cavani. L'intervention, le ballon et la talonnade à suivre de Cavani pour Bernat. Le centre contré. Manque de mouvement par rapport à la première mi-temps. Allez, attention à Bernat avec ce ballon, Choupo-Moting qui était et la provocation, il a réussi. La frappe enchaînée de Neymar. Devant Dimitri Liénard, il va y avoir la faute. Faute de Moutaz Zemzeni. Neymar qui n'est pas content, traitement de faveur des Strasbourgeois. Son jeu tout en percussion, qui provoque pas mal de fautes. Deuxième, 7-3-3. Oh, Draxler dans la profondeur pour Choupo-Moting et encore Marcels. Ouais, c'est pas mal ce décalage pour Angel Di Maria. Ouh, ballon dévié par Neymar. Par Choupo-Moting, pardon, et qui allait trouver la tête de Neymar. C'est l'action combinée des Parisiens avec un enchaînement de passes. Un centre de l'extérieur de Di Maria et Choupo-Moting qui la touche du haut du crâne. Alors que Neymar attendait l'offre face à Kerrer, la frappe enchaînée, captée par Skirin directement et a rejoint le vestiaire. On l'a vu en pleurs, Kader. Hein. Il pleurait à la sortie, je pense que c'est sérieux. Espérons que ce ne soit pas. Blessure au même niveau que celle qu'il avait subie il y a quelques mois. Cette cheville frappe. Parisienne. Elle a monté là de Kerrer le centre. Elle a monté à Bordeaux. Et ensuite, il y aura un déplacement à Saint-Etienne dès arracher une prolongation. Oui. Strasbourg en est capable. Et le centre, il est contré. Et Dani Alves va chercher Choupo-Moting. Oh, ils l'ont examiné, hein, j'ai bien vu, c'était vraiment le côté du pied, c'était pas la cheville a priori qui était. Allez, Cavani qui récupère ce ballon dans la surface. Frappe de Kerrer, mais pas cadré du tout. Les côtés peuvent être une solution. Et ça avait plutôt bien marché. Oui. Il peut être la frappe, mais on préfère servir à Choupo-Moting, le crochet passé. Et le petit lob
petit peu écarté pour l'Allemand encore, Draxler, le centre, il y a Khaldi Maria pour inscrire le doublé, libérer le Parc des Princes avec ce second but à moins d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre. En Khaldi Maria qui libère le Parc des Princes et le Paris Saint-Germain. Comme vous le dire, c'est le but de la libération avec une succession d'erreurs de relance de la part des Strasbourgeois dont profitent les Parisiens.